La vérité, on a fait l'autre jour un plateau ensemble, et pourtant, elle n'a rien de. Mais vraiment, elle te montre rien. Et pourtant, seulement la façon de s'asseoir et son élégance, à moi, me faisait bonder terriblement l'autre jour. Et j'étais. Non, écoutez, alors, Alison, c'est une forme de déclaration d'amour. Hein. J'étais à côté d'Alison, et ça, c'est une façon de sexualité et de classe très forte. Mais ça veut dire que la féminité chez les femmes. Laisse-moi vérifier. Est-ce que tu t'en étais rendu compte? Non, mais je crois que ça va beaucoup plaire à mon amoureux, ce genre de vie. Eh bien, il est là ce soir. Mais ça veut dire que si Alison dit oui, tu y vas. Entre moi et toi, je ne crois pas qu'elle pense même pas, mais si tu veux. Et je sais qu'elle va dire non parce qu'il y a son amour autre reste. Mais bien sûr, tout de suite, à l'instant. Elle est très belle, en plus je lui ferai l'amour, c'est différent. Ah oui, ah bah oui, effectivement. C'est pas baiser. Non, parce qu'elle est belle partout. C'est parti avec le zizi, mais regarde c'est pas la bouche. Et c'est comme les bons chasseurs et les mauvais regarde chasseurs. Regarde les yeux. Regarde maintenant comme elle est. Bon, elle est un peu gênée, bien sûr. Elle a l'air un tout petit peu gênée depuis 5 minutes oui, quand même. Non, pas du mais, tout. Mais je parle d'elle vraiment comme une beauté différente, une beauté élégante. Je trouve que c'est une beauté élégante. C'est pas pour te faire de la. C'est vraiment. De la lèche Non, c'est vraiment. Je crois que c'est Rocco Siffredi. Je crois que c'est le vrai. Je crois que c'est vrai. Rocco, 3% des hommes déclarent avoir eu des relations homosexuelles. Dans mon adolescence, quand j'étais sans fille à la place de me branler, j'avais deux copains qui me souciaient. Oui, on a compris. Parce que c'était mieux. Mais j'étais très enfant, c'était mieux que je le fasse avec elle. Bien. J'ai connu les femmes, c'est autre chose. Oui, c'est toujours mieux que de se la frotter on sur le crépi, oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Les deux copains, il y en avait un qui était chaud. On était à trois et il y en avait un qui nous souciait. Là, tu m'aides pas. Là, il m'a eu, excusez-moi. On vient de m'apprendre que la conformité de TF1 est morte d'une crise cardiaque. Là, il y avait quelqu'un de la conformité. Mais je te dis comment je vois les choses. Non. Il y a un âge pour décider quelle sexualité on a envie d'avoir. Oui. Et donc, je trouve que l'âge où je l'ai commencé à comprendre, c'est quand j'ai connu les femmes. À l'époque, je connaissais ma main et il y avait quelques garçons qui étaient plutôt. Oui, alors. Parti oui. pour. D'accord. Et moi, il y avait deux amis à moi qui se le faisaient faire. Et je me suis dit, allez-y. Le CAC 40. Rocco et des animaux. Un cochon d'Inde, jamais eu. Non, Rocco. Quoi? 79% des hommes déclarent que les préliminaires doivent être le plus long possible. Qu'est-ce que tu en penses? 100% d'accord. Les préambules sont très importants si tu veux arriver vraiment au fond. Je pensais que ma question allait être simple. Rappelons quand même que Rocco, c'est 1300 films, 4000 partenaires. Ouais. Plus ou moins, 10 oui, plus. Oui, vraiment, oui, à 10 plus, oui, on compte plus, on dit. Pardon pour les 10 que j'ai peut-être oubliés. Non, mais je veux dire, c'est 4000 partenaires professionnels. Professionnels, quelques-unes dans ma vie privée aussi, parce qu'il faut dire qu'un orgasme sur le plateau, c'est jamais un orgasme complet. Non, c'est pas comme quand on est à la maison avec les chips et la boisson. Voilà. Ouais, je comprends. Non, c'est le temps de la sortir de mon bouche. Oui, d'accord. C'est la moitié qui retourne derrière. Donc, pour que tu puisses réellement Utiliser, il faut le faire. Rocco, je comprends, on a les mêmes problèmes.